Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la continuité du défi Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Et cette fois-ci on est dans la saga spéciale avec Sang, avec Krillin avec des cheveux, c'est incroyable. Ah, tu es Krillin, c'est ça. Qu'est-il arrivé à tes cheveux? Ben, j'ai vieilli. Je ressens plus à un gamin maintenant. Tu portes encore ton cheveu kimono. Ce scénario est fantastique, il y a un tas de grands adversaires à affronter. Sanku, il y a même une histoire sur ton père. Ton brother aussi. Mais oui. Oh, que les combats palpitants, j'ai hâte. Ah, je m'en doutais, Sangoku ne changera jamais. Très bien, on va voir ça tout de suite. Let's go. Je me souviens du doublage de Krillin quand il a les cheveux. Quand il a des cheveux. Mon dieu. Le doublage français, Parce que je crois que le doublage japonais, ils ont jamais changé. Mais le doublage français, au début, Krillin, il avait une bonne voix. Et à partir du moment où il avait des cheveux, il avait une voix de gamin. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc alors, seule face au combat final. Donc comme je vous ai dit dans la précédente partie, bah oui, on va combattre, je crois, avec le grand Freezer. Encore une fois, vous en avez marre, vous avez eu une overdose de ce personnage, parce que vous en avez marre de le voir, mais vous le reverrez. Encore et encore. C'est bien sûr Freezer. Il y aura même son frère après. Mon dieu. Voilà. J'aime bien ce perso, mais au bout d'un moment, il y a trop de combats sur lui en fait. J'ai l'impression que c'est lui le héros en fait. Le grand méchant de Dragon Ball Z. Je changerai le futur. Ah mais non, on joue même pas avec Freezer. Bah oui, je me disais que c'était pas trop ça en fait. Mais non, on joue encore avec Bardock. Donc il n'y a pas trop de changements. Et sauf que cette fois-ci, je crois qu'il n'y a que Bardock. Il est tout seul. Donc là, faudra pas faire n'importe quoi, surtout qu'on est en difficile. Mais je crois quand même qu'on a déjà plus de barres de vie que dans l'ancienne mission. Et je crois aussi qu'on est un peu plus puissant. Hein. Donc bon. Voilà. Parce qu'avant Bardock c'était une vraie merde dans la mission précédente là, purée. Personne titubait à ses coups, c'était assez incroyable. Là, tout le monde souffre là. Là je le défonce. Ah purée! Ma super attaque au cac. Comprends rien à sa vie. Ah putain, j'ai encore 10, c'est pas possible. Voilà. J'adore foncer comme ça, c'est la meilleure façon de les avoir. De toute façon, ils sont pas forts, ça. Pas besoin de contrer et faire des trucs de fou. Il va gagner du kai vite. Ah purée. J'ai pas eu le temps. Il se téléporte de partout. Prends ça, c'était la technique de Vegeta. Je mets toute ma puissance dans ce point. Ah, les éléments destructifs, ça a toujours son petit effet. Et voilà, deuxième ennemi vaincu. Le prochain c'est Doria peut-être. Ah non, Kiwi. Mais Kiwi, mais... Ah, le personnage le plus charismatique de la série. Ah, j'aime bien troller comme ça. Ah, purée. J'avais dit encore plus charismatique que le grand tortue génial. Ah, purée. Ah, il est un peu plus costaud celui-là. Attention. Bon, il nous fait toujours des attaques de merde. J'aime bien enchaîner comme ça avec l'attaque au cac. Ça a toujours son petit effet. Ouais, on va faire l'âme des Saiyans. Je sais plus ce que ça faisait. Ah non, c'est pas terrible. Ça augmente un peu notre attaque. Enfin, un peu. À peine. C'est à peine visible. Ah purée, il m'a attrapé, le fourbe. Pourtant il était loin, comment il a fait? Il a allongé son bras.
Allez, on peut faire deux téléportations avec Bardock, et en plus de ça, on peut faire une téléportation avec avec X. Enfin, vous savez, quand on l'attrape et qu'on le met au sol. Voilà. Donc, ouais, Bardock est assez puissant quand même. Parce que normalement, avec la plupart des persos, on peut faire qu'une téléportation avec Y en balançant un perso je sais pas où. Et on peut faire une deuxième téléportation avec X. Mais je voulais pas trop parler de ça, mais c'est les combos que je fais le plus souvent. Je trouve ça tellement beau à regarder. Ouais. Bardock pète un câble. J'aime bien la voix aussi de Bardock. Je crois que c'est Eric Legrand qui fait la voix de Bardock. De toute façon, c'est le même que pour Sangoku. En VF, ouais, la voix de Bardock en VF elle est pas mal. Et la voix en Jap, elle me fait marrer. Voilà. Une petite voix de gamin. Alors, au moins, tu vois qu'il se prend en sérieux, qu'il gueule un bon coup. Même si c'est pas très viril comment il gueule, mais voilà. Ouais, c'est pas très viril. Ouais. Je comprends rien à sa vie. Aïe. Aïe, mais c'est bizarre, on a pas combattu contre Doria ou je sais pas qui là. Ou le bonhomme vert. Cheveux verts. Ah purée, je me dis fan de Dragon Ball Z. Oui. J'ai des trous de mémoire. À chaque fois, je me souviens plus de son nom. Ouais, Freezer. Un petit coup de vague déferlante, on n'en parle plus. Vague déferlante qui est d'ailleurs le sous Kamehameha en fait. C'est un peu ça. Ah purée. Oh, ils adorent m'attraper et me foutre des baffes. On l'a remarqué. Ah, j'ai pas réussi à faire à me TP. J'ai pas réussi à chaque fois. Bon, Bardock il se manie un peu de la même manière que Sangoku. Enfin un peu. Pas complètement non plus. Il a des coups qui ressemblent un peu à Sangoku et donc comme les TP que j'ai fait là. Donc, on va dire que je me débrouille plutôt bien parce que Sangoku c'est bon, c'est un peu le personnage qu'on utilise le plus souvent. Tiens, dans le mode histoire. La carotte. J'ai enfin vaincu Freezer. On était en difficile. J'ai un doute, on va regarder après parce que c'est pas possible. Est-ce qu'on était en difficile? J'ai peur. Ça a foiré tout le défi. Alors, sauvegarder comme d'hab. Mais voulez-vous vraiment, mais êtes-vous vraiment sûr de sauvegarder? C'est la vie ou la mort, là. Si vous sauvegardez, il faut pas que vous périssiez, hein. Attention. Si vous sauvegardez, votre Wii, elle va peut-être griller, hein. Il y a 50% de chances que ça le fasse. Ah bah, on est en difficile, d'accord. D'accord, d'accord. Ok. Bon, Freezer, il était un peu ramolli, hein. Pourtant, j'avais pas l'impression que j'ai joué mieux qu'avant. Bon, je suis plutôt bien démerdé, mais bon. Ah, ça, c'est l'un des OAV que j'ai pas vu. Et que 50 ans ont passé, un scientifique est ressuscité d'une neige éternelle. Il s'agit du docteur Willow. Ah si, je l'ai vu. Mais je m'en souviens presque plus, ça fait tellement longtemps. Mais bon, les OAV, hein. À part celle de Bardock. Voilà. La dernière surtout, purée. Mon dieu. La déception. Non mais quand il est contre le... Le dieu de la destruction, Sangoku, et qui se transforme en petit spoil en Super Saiyan God, là, ou en Super God Saiyan plutôt, ils disent donc Saiyan de dieu, quoi. Il ressemble beaucoup en Kaioken, mais bon, ça c'est pas le problème. J'aime bien sa skin, hein, comment il est fait, Sangoku, là, en God Saiyan, dans la classe. Mais le problème, c'est que le combat est tellement mou, on n'a pas l'impression que qu'il est plus puissant en fait. C'est mal branlé. C'est mal fait, je veux dire. Furie. Et vu que là on est contre un gros, et on peut pas l'attraper. Ouais, le combat contre Broly par exemple était bien plus impressionnant. Ah oui, aussi Broly. Cet OAV était très très bien aussi.
comme quoi il y a quelques OAV très bons. Mais... Bon, sauf le deuxième Broly, là, deuxième OAV de Broly là, quand quand il combat contre Goten et Trunk. Alors là, Trunk qui se fait dessus, voilà, c'est super. L'OAV un peu pourri. Mince, mais c'est vrai, c'est un gros. On peut pas l'avoir. Alors, je peux pas encore faire. Je peux pas encore faire mon attaque pour l'immobiliser là. Le contre pour l'immobiliser. Bien sûr, je peux me TP à l'infini. Enfin, jusqu'à ce qu'il fasse voilà une grosse attaque comme ça. À peu près 6 téléportations, un truc comme ça, j'ai pas compté. Quand on est en puissance max. Il fait pas mal. T'es sérieux? C'est quoi cet ennemi de merde encore? Ça se trouve en fait la saga spéciale, au tout début ils te mettent des missions hyper easy. Comme celle-là, j'ai l'impression qu'elle a l'air simple. Si franchement là, si après ça, et bah après que je le tue, il n'y a rien d'autre. Voilà quoi. Ah purée. Par contre, il prend toute la place de l'écran, je suis désolé, je vois plus rien. Voilà. Un bon clic, et là-bas. Je sais pas comment ça se dit exactement. Mais c'est le Sumazanko Kapo. C'est Mazanko, quoi, presque. Ouais, bon, si c'est un Mazanko, comme le fait si bien Sangwan. Bon, il comprend rien. Combo de 18, là, il se fait enchaîner. Furie. Bon, j'ai un petit Mazanko Kapo. Je dis peut-être mal. Mazanko Zapo. C'est dur à dire. Furie. Là, immobilisé. Ce que j'aime bien avec Piccolo, c'est qu'on peut immobiliser les ennemis, les adversaires. Ah, mais si, j'ai pu me TP deux fois, mais bon. Ah, possible. Ah, d'accord. Ça lui a rien fait parce qu'il a fait une espèce de bouclier. Bon, allez, on va faire C en bas pour le fun. Ok. Voilà, c'était le fameux combat contre Docteur Willow. Un docteur très puissant. Merci, j'ai balancé une vague d'énergie. C'est bien, Sangwan. Est-ce qu'en plus tard, quand tu auras une petite copine, tu t'entraîneras plus. Tu deviendras un Saiyan basique. Sauf quand il sera en Sangwan ultime. Quand il va se réentraîner dans le domaine de Kaioshin. Sur sa planète. Ah, Thalès et Pythagore. C'est bien ça. C'est un OAV encore, je sais plus. Je sais plus si je l'ai vu celui-là. C'est à peu près du même style que le combat de Sangoku contre Vegeta. Hein. Pas de grand changement. C'est à l'époque où Sangoku ne pouvait pas encore se transformer en Super Saiyan. Il n'y avait que le Kaioken pour le sauver. En fait, c'est Sangoku maléfique, quoi, Thalès. Il est très bon en maths aussi. Hein. Je l'ai déjà dit, mon nom est Sangoku. Tu dévorais de nombreux fruits de l'arbre sacré et tu ne peux pas me vaincre. Ah oui, c'est vrai, il mange des fruits de l'arbre. Il mange des fruits de l'arbre sacré pour devenir plus fort. Ah bon. Ce qui est marrant, c'est que c'est exactement le même doubleur qui doublait deux. Ça doit être épuisant de doubler deux personnages quand même en même temps qui se parlent. Bon,
J'espère que ça a été un beau combat, déjà ça commence bien. Ça a l'air assez speed, là on est contre un vrai adversaire cette fois-ci. Voilà. Au moins la saga spéciale n'est pas si pourrie que ça. Il va pas y avoir que Broly qui sera fort. Oh là là, cette vitesse! Ah purée, non! Attends, je fais X, mais j'ai pas assez de je sais pas. Je fais pas assez bien. Oh là là, ce contre! En plus, il s'est TP. J'ai eu de la chance. Teleportation! Il me met en pleine puissance. Il y a un gros coup. Moi j'arrive pas trop les coups puissants en téléportation. Je n'arrive point. J'arrive des fois mais c'est par chance en fait. Je sais pas comment on fait. Faut lâcher le bouton A au bon moment je crois. Un truc comme ça. Mais oui c'est assez complexe. Ah purée non! Tu vas pas faire une forme géométrique, Thalès! Prends ça! Moi je suis Pythagore là! Alors respecte! Voilà. Ces blagues à deux balles que j'aime faire. Ah purée! Ah purée, c'est TP. Ouais, puisque aussi on peut se téléporter en plein combo. Ça, c'est pas mal. Voilà, on fait genre AAA et on fait un petit coup de X, même si là, en fait, à la place, il fait un contre sans Goku. Ce qui est mieux, d'ailleurs. Ah non, mais je vais le battre, là. Bon, allez, on va faire exprès, là. On va faire C en bas. Je n'ai pas le choix. La terre, l'océan, le ciel, à tous les êtres qui respirent l'air de cette planète. La couche d'ozone aussi, donne-moi ton énergie. Par contre, je pourrais plus respirer après. Donnez-moi un peu de votre énergie pour le bien de tous. Monsieur Satan, j'aurais besoin de votre aide. Wow, les magnifiques plans qu'on revoit sans cesse, c'est la même chose. Et Eureka, il se passe rien. Ah, cette chaleur, c'est... Mais oui, c'est... De l'aura. Sangoku absorbe l'énergie de l'arbre sacré, c'est incroyable. Pourquoi il est en train de cramer là? Oh purée, il a regardé toute sa vie. J'aurais pas dû faire ça. Enfin non, mais c'est pour le fun, on va plus loin dans l'histoire. Au lieu de le tuer direct, notre pote. Mais il est pas bien puissant, hein. il se téléporte assez souvent, mais il est pas bien puissant. On va attendre quelque chose de plus dur. Il faut encore sa technique de l'arbre sacré. Oh là là, la chance! Mais non, je suis en puissance max, je me fais défoncer, c'est incroyable! Bon, ok, on fait un petit coup de C en bas, parce que moi j'aime bien, mais ça marche pas. Il fallait le faire 4 fois. Je détruirai! Ah oui, d'accord. Genkidama! J'avais envie d'appuyer parce que bon, on est cutscene. On va dire, ils s'envoient souvent la même chose hein, sur la tronche. Hein. C'est. Je vais t'avoir, espèce de. De faible. Ton niveau de puissance est à 1200. C'est faible. Bon, voilà, c'est que des trucs comme ça. C'est pas assez palpitant. Ce qui est dommage, je dirais. Ce qu'on retrouve pas dans Budokai 1, voilà. Budokai 1, c'est des. C'était vraiment bien foutu quand même les cutscenes. Mais bon, à côté de ça, t'as
le combat qui est bien mieux géré dans Tenkaichi 3, bien sûr. Même si, j'ai envie de dire, entre Budokai et Tenkaichi, les deux, ils sont pas comparables. C'est pas la même chose. Enfin, un, c'est un plan 2D, Budokai, et un autre, c'est en 3D, donc Tenkaichi. Donc voilà. C'est complètement différent. Et moi, je dirais, je sais pas si j'en préfère un particulièrement entre Tenkaichi et Budokai. Je préfère peut-être un poil plus Tenkaichi 3. Ou 2 aussi, qui était très bien. Et les Budokai aussi, j'avais de très très bons souvenirs. Et bah, j'y rejoue encore, et voilà quoi. Ça n'a pas vieilli. Surtout quand on voit les Dragon Ball Z actuels qui ont par contre. Waouh! Je crois que c'est au bout de même pas d'un an, le jeu il sera déjà bien vieux. Bon. Allez, on va combattre Slug, le super Namek. C'est un OAV encore une fois, bah, c'est toujours des OAV de toute façon là. Et en fait, bon, cet OAV est très moyen aussi. Hein. C'est, je sais plus comment il fait pour se transformer à Slug. D'abord, c'est du même style que Piccolo. Mais le père de Piccolo. Petit cœur là. Piccolo Junior. Bah, il a aussi utilisé Boule de Cristal pour avoir la jeunesse éternelle. Et il l'a utilisé, je crois, sur sa planète natale, Namek. Parce qu'il y a aussi des boules de cristal. Qui sont un peu plus grosses. Et qui font naître un dragon plus gros aussi. C'est Sheron, mais gonflé à l'hélium. Attention. Hein. Alors, c'est des vrais muscles, mais je pense pas. Donc voilà, Slug, faut faire gaffe quand il se transforme, on peut plus faire des. Plus trop faire lui faire des attaques au cac, donc on va pas mal spammer un coup de Kamehameha, je pense. Ah purée. C'est vraiment ça le problème par contre je trouve des Tenkaichi, c'est ouais, les combats quand t'es contre des géants, voilà. C'est un peu loupé. Ça téléportation, de toute façon on arrive souvent à se téléporter comme ça à ce moment là du combo, parce qu'on connaît très bien ce combo là. Je me souviens quand j'étais un noob au tout début, et ben, je faisais toujours 1-1-1-1-1. C'est le combo tout con. Allez, on va le faire pour le fun, d'accord. Ça marche très bien ce combo. Ça marchait quand je jouais en normal, normal ou facile, ça dépend de... Vraiment, quand on débute dans Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, bah, c'est pas la même chose que Budokai. On met beaucoup plus de temps quand même à bien jouer dans Tenkaichi. C'est plus technique quand même. Je trouve. Plus de combos, plus de trucs. Même si Budokai c'est très très technique. Hein. Tenkaichi, on va dire que c'est. Ils ont tous des combos particuliers, les personnages, et c'est vraiment. Faut apprendre leur pattern quoi. Je me fais défoncer. Allez, Kaioken! Allez, un petit coup de Kaioken parce que c'est tellement beau. Bon, en fait, le Kaioken il permet de pas perdre trop d'énergie ou de foncer toujours, même quand on a plus de Kai en fait, pas beaucoup de Kai. Ah bah foncer comme ça quoi. À pleine vitesse. Faire des gros coups aussi, mais je me suis fait avoir. Mais je m'en sers pas beaucoup du Kaioken. Puis bon, on est un peu plus rapide. Bon allez, pour respecter l'OAV, on va faire C en bas. Hein. Ah, je me suis fait défoncer. Ah purée, je suis faible. Ok, ça c'est à cause du Kaioken. Finissons-en maintenant. Allez, je vais manger les bols de nouilles pour devenir gros. Remporter la victoire, je dois y arriver. Je suis motivé. Ah bon, c'est encore l'histoire de l'énergie. D'accord. Le second souffle, hein, il est peut-être temps pour moi de te montrer mes vrais pouvoirs.
J'aurais pu le tuer sans qu'il sans qu'on découvre son vrai pouvoir. Il fallait pas faire c'est en bas. Je vais perdre. Ça change vraiment quand on fait c'est en bas, c'est bien ça. Ça demande une rejouabilité bonne, quoi. Bonne rejouabilité, parce que on peut le faire sans faire c'est en bas et faire c'est avec c'est en bas des fois. Pour mettre des cutscenes comme ça, quoi. Activer des cutscenes. Ce n'était pas un Namek ordinaire. Bon, il est moins puissant que Piccolo, mais c'est pas un Namek ordinaire, attention. Slug dominé par le mal, c'est un super Namek. Oh bah, et là, Sangoku fulmine. Il devient tout foufou là. Il surexcite. Y a-t-il, tu as peur de ma véritable forme? Je suis 3 fois plus gros. Enfin, il est pas si gros que ça pour un géant. Ah. Bon, allez, spam de Kamehameha. C'est parti. Ah, ou alors on va plutôt foncer dessus en puissance max. C'est toujours beau la puissance max. Je me suis planté au niveau des combos. Prends ça. Tu prends rien à ta vie. Allez, une petite attaque ultime. C'est toujours beau. Moi je fais toujours comme ça. Hein. Attaque ultime juste après les gros combos. Faut en profiter un max de la puissance max quand même. On a un sacré avantage. On fait vraiment mal. Et en plus de ça, les ennemis ils peuvent pas nous contrer quand on fait une grosse attaque chargée, voilà. Comme ça. Même si là ils pouvaient me contrer, normalement ils devaient me contrer, mais vu que j'ai fait une attaque chargée pas ordinaire, ben j'ai pu l'avoir. Purée. Kaioken. Même si c'est pas du tout Kaioken. C'est juste morsure du soleil. Je sais pas comment ça se dit en jap. Oh non, je voulais pas faire ça. C'est pas possible, il m'a repoussé. Bon allez. Morsure du soleil et boum, Kamehameha, ça c'est tellement beau. Quelle belle fin. Voilà comment un super Namek se fait défoncer. Bon, le AV est très moyen de celui-là. Je ne vous le conseille pas. Enfin, il y en a que deux que je vous conseille. Hein. Broly, premier OAV. Et je crois que le nom de l'OAV, c'est juste le Super Saiyan légendaire. Ou Super Saiyan de légende. Et celui de Bardock. Ah, l'attaque de l'étoile Makio. Il semble que Garlic Junior, qui fut autrefois scellé, soit de retour. Ah, là par contre, c'est pas un OAV là. C'est pas un OAV celui-là. C'est un épisode, on va dire, optionnel. Et comme ce qu'il y avait, comme ce qu'il y en avait énormément dans Naruto. Il y en avait énormément dans Naruto, c'est même exagéré. Hein, on commençait à en avoir marre dans Naruto. Souvent, en plus, c'était toujours la même chose. Escorter quelqu'un. Pendant une mission et pouf il se retrouve avec un gars hyper puissant avec une technique, ouais. C'est particulier, mais c'est tout. Ça se répétait tout le temps dans Naruto. Alors que là au moins ils en ont fait qu'un épisode comme ça, j'ai envie de dire. Ou deux. Enfin deux. Pas deux épisodes, je veux dire deux. Des histoires comme ça. Genre il doit y avoir au moins une dizaine d'épisodes là-dessus. Hein. Ils sont sur le sanctuaire du dieu divin. Il y a l'étoile Mayo, je sais pas trop quoi là, qui fait renaître la puissance d'antan de Garlic Junior. Qui est pourtant un personnage pas très puissant. Il se fait défoncer par Piccolo. Piccolo il picole.
Piccolo, le grand Piccolo, le vainqueur. Surtout quand il est en dieu là. Quand il fusionne avec Dieu, c'est pas rien. Ah. Il n'y a vraiment plus cette nervosité sur console HD, purée. Prends ça! Ah non, mais qu'est-ce qu'il fait? Ok. Il m'a défoncé, il s'est transformé en même temps. Comment il a fait ça? Je ferais mieux de faire du souci pour toi. Oh, ces muscles. Il est aussi costaud que tortue géniale. Petite esquive. Ouais, on va un peu détruire le temple parce que moi j'aime bien détruire. Tout détruire sur mon passage. Mais en fait, il n'y a pas. On n'a pas Piccolo qui fusionne avec Nai. On a que. On l'a dès le départ en fait. On a dès le départ bah, Piccolo en mode. Puissance de fou quoi. Qui fusionne avec Nai. Par exemple, Piccolo qui fusionne avec Dieu, on l'a après. Oh purée! Un écrasement! Ah, puissance maximale. Là, on est parti. Ah purée. Bon, allez, c'est parti. On va l'envoyer valser dans les airs. Je préfère pas faire l'attaque ultime, sinon j'aurai plus de Kai après. Ce serait pas terrible. Ah purée! Comment il fait? Comment il peut se défendre et. Et attaquer en même temps? Bon, je crois que juste. Quand on fait C en bas, c'est juste pour combattre avec. Avec comment là? Sangohan? Et j'ai pas trop envie. Il est pas très fort, Sangouane. Boum. On a pu ces épisodes là avec. Avec Garrick Junior, je trouve qu'ils étaient un peu trop longs, certes. Ils étaient un peu trop longs, ça avançait pas assez. Mais c'était plutôt pas mal. Combo Master Combo. J'en ai déjà fait 80 moi. Les combos, attention, c'est pas rien. Bon, on va s'arrêter là, purée. Voilà. Je peux plus rien faire, purée, mais comment il a fait pour me contrer alors qu'il était immobilisé? Je vais pas faire ça. Okay, l'écrasement qui sert à rien. Voilà, je suis un peu en train de me défoncer, hein, j'ai envie de dire. C'est pas très dur. Finalement, le mode difficile, c'est pas largement plus dur que le mode normal, des fois. Des fois, t'as des missions, c'est assez hardcore, mais. On va dire que l'émission genre là, c'est facile, quoi. Voilà, adios. Adios, amigos. Mais faites pas rire, tu n'as rien d'un roi démon. C'est sûr. Bon, à part qu'il a une défense de gros ou faux, hein, vous avez vu. Il avait que 4 barres de vie, je crois, au tout début. Ou 5. Bah, il a quand même tenu longtemps pour avoir seulement 4 barres de vie ou 5. Que depuis tout à l'heure, j'étais en train de l'enchaîner. Maintenant, Freezer a un grand frère. Non, on va encore parler de ce con. Après avoir vaincu Freezer, Sangoku revint sur Terre. Mais la terrible vérité se confirme. Freezer a un grand frère. Et celui-ci se dirige vers la Terre. Sangoku a-t-il une chance de l'emporter face à un ennemi encore plus redoutable que Freezer?
Oui, il a battu... Enfin, son fils a battu Cell. Quand même. Ouais, j'arrête de dire n'importe quoi. C'est un OAV aussi, et bon, on va dire celui-là, encore ça. Les OAV avec couleur, c'était pas mal. Ce combat contre Metal Couleur sur la planète Namek aussi, c'était pas mal. Avec Vegeta. Ah, purée. Ah, ça commence, les téléportations là, ça y va. Ça commence à être plus costaud là. Ah, d'accord. Par contre, je sais pas comment faire ça, les esquives. Oui, même un joueur confirmé ne sait pas faire des fois des trucs. Bon, ça sert à rien puisque bah, je me défonce. Bon, il va peut-être se transformer hein, par la suite, hein, obligatoirement même. Si je fais ça en bas, je fais passer en bas, il se transforme pas, donc je suis tranquille. Je vois pourquoi tu as donné tant de mal à mon frère, mais moi, j'ai encore une transformation en réserve. Estime-toi heureux. Tu es le premier à voir ma dernière et ultime transformation. Incroyable, il est encore plus puissant que Freezer. Ah, il est tellement la classe. Alors, on va faire une petite attaque au Kaip. Ah, est-ce qu'il y a du rayon? Ah bah non. Il fallait se TP. Ah voilà, la téléportation. Bon, je me fais un peu défoncer. Ah purée. Vite, la morsure du soleil. D'accord. C'est pas le même Sangoku, on peut pas... Je me souvenais plus. On peut pas faire la morsure du soleil avec ce Sangoku qui peut se transformer en Super Saiyan. Celui d'être le plus puissant de l'univers, bah, il a dit exactement la même chose son frère. Je vais pas me la raconter, mais... Bon. Ah, il se transforme toujours pas. Fury. Ah non, faut pas qu'il vienne vers moi, ce con. Allez, on va faire un petit Genki Dama juste après. Genki Dama. Ah, parfait, la transformation. Et donc on gagne toute notre barre. Tous nos barres. Ah bah oui, on peut faire 2 TP en fait. C'est que dans Dragon Ball Z de Katen Kashi 2 qu'on peut faire qu'un TP. Je ne me souviens plus. Aïe. Ah d'accord. C'est Freezer et Couleur, c'est vraiment les pros de la téléportation. Bon, on va faire un petit coup de sauvagerie. Si jamais une touche. Une contre, un truc comme ça. J'ai pas l'impression qu'il a envie de me contrer. Bah non. Bon bah il est vaincu je crois. On le sait déjà là. Voilà, le dernier coup, le coup fatal. Alors Freezer n'était pas le seul à l'avoir sous-estimé. Le combat était un peu plus rapide que celui de Freezer quand même. De son coup contre Freezer.
C'était un peu facile. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression que je suis pas en difficile en fait. Je sais pas. Pourtant, il me reste pas tant de vie que ça à un moment. Duel au sommet. Couleur va se transformer. Il peut se transformer en plein de choses. Que se passe-t-il? En plein de cyborgs. En fait, c'est un espèce de cyborg. C'est métal couleur. D'ailleurs, le titre de l'OAV, je sais plus, c'était peut-être les 2000 guerriers, hein. Un truc comme ça, je sais plus. Tu as progressé. Ouais, c'est même là qu'il y a Vegeta qui est déjà en Super Saiyan. Donc on va dire que ça se passe au temps des cyborgs, ouais, peut-être avant. Ouais. Peut-être après plutôt. C'est la première fois que Son Goku a vu Vegeta en Super Saiyan, normalement c'était au temps des cyborgs. Et c'était pas ici, donc voilà. Normalement, après, je sais pas. Des fois, c'est pas très logique. Boum. Ouais, d'accord. Il aime bien se TP, hein. J'ai plus trop grand chose à dire parce que là je suis en pleine concentration. Enfin, ça m'a pas fait grand chose son attaque. Par contre, j'ai pas beaucoup de barres de vie. Ah, c'est bizarre, il regagne de la vie lui. J'ai même pas fait gaffe. Il regagne de la vie ce petit. Ce petit vicieux, il l'avait caché. Bon, après cette attaque, je fais essayer en bas. Alors, il y a à fond. Bien, tout le monde finalement sous ton vrai jour. Super Saiyan. Je commençais à m'ennuyer. Ah, d'accord. Il part, il a voulu s'enfuir, et puis après il s'est dit non, finalement, je préfère combattre. C'est bizarre, il disait Son Goku juste avant. Il est pas très fort, hein, ce couleur, et puis. Deux secondes après, oh bah, il faut que je me donne à fond là, Super Saiyan. Ah purée. C'est un peu défoncé. Technique du grand Son Goku. Attention. Je vais essayer de l'attraper, hein, de faire une shot, mais ça va être un peu difficile. C'est aussi vif que ça. Ah purée. Il aime bien me faire des chops. J'ai l'impression que le combat est très répétitif. Prends ça. Je pense qu'il va crever là. J'ai envie de faire C en bas peut-être, enfin je sais pas. Si on fait passer en bas, je crois que l'histoire est finie là. Donc... On va voir ça. Je pense. Ou alors c'est bizarre si ça se finit comme ça, parce que normalement on en combat plusieurs des couleurs. Curie. C'est la fin de ta vie, couleur! Ok, on a déjà fini. Il y a même pas Vegeta qui est intervenu. C'était tranquille. Oh, ce rire. Je crois
croyais bien que j'ai gagné. Et donc, je crois que après il y a Broly. Broly, puis qu'est-ce qui reste après? Il y a Jamemba. Jamemba, je crois, un truc du genre, attends, comment il s'appelle? C'est Jamemba. Jamemba. J'ai pas vu cet OAV d'ailleurs. Il y a encore des cyborgs dont nous ignorons tout. Je suis bien content d'avoir rencontré ces 18. Petit coquin, va. Bon, ça, c'est encore un autre OAV, mais bon, lui, OAV basique. Surtout qu'on est contre un cyborg qui a trop la gueule d'un personnage de Dragon Ball GT. Voilà, lui. Ça n'a rien. C'est ça que j'ai envie de dire. La vie, non, c'est... On va pas faire pareil qu'avec... Vegeta là, absorbé par le machin. Dans Dragon Ball GT. C'est Baby Vegeta. Et pas Papy Vegeta. Purée. Pour l'instant, je l'enchaîne. Je comprends rien. Enfin, regardez-moi cette technique, cette vitesse. C'est un grand Oliver Plasma, toute sa splendeur là. Là, il comprend rien à sa vie. Voilà comment je manie sans Goku en vrai, purée. Maintenant, c'est à lui de me défoncer. Mais qu'est-ce que. Mais sérieux, il fait son attaque à deux balles qui est tout pourri. Ah, il surexcite là, il se dit ah purée, il m'a défoncé. Ah ok, c'était, il se transforme. Il n'a même pas besoin de faire C en bas pour qu'il le fasse. Ah, c'est devenu musclé. Carotte, Piccolo, restez en dehors de ça. Je vais l'achever. Comme d'hab. Ah, ça se passe assez loin parce que là c'est Vegeta en Super Saiyan 2, non? Je suis pas sûr. Ah purée, cette boule d'énergie, je me souviens, elle est inesquivable. Elle prend tout l'écran. Vraiment tout l'écran. Hein. C'est l'attaque la plus cheatée du monde. Petite vague d'explosifs. Encore une attaque au cac. Je comprends rien. Il vole. L'attaque ressemble un peu à celle de Bardock. Si vous vous souvenez bien, purée, mais il le fait tout le temps quand je fais ça. Mais... Il est incroyable ce type. Il est incroyable. C'est une légende. Allez, prends ça là. J'ai complètement loupé. C'est pas grave, retraite. Maintenant c'est à Trunks de le défoncer. On passe les cutscenes parce que ça m'énerve les cutscenes. Voilà. Ah, là je me fais un peu défoncer. J'arrête pas de le dire mais... Aïe. Aïe, ça prend vraiment tout l'écran. Hein. Mais on remarque que Trunks a une meilleure défense que son père. Qu'est-ce qu'il nous fait là, le Zigoto? Ok. Aïe, ils font toujours des chocs, hein, décidément. Ils aiment les chocs. Boum! Comment elle s'appelle déjà cette technique? Big Bang Attack? Non, c'est Burning Attack. C'est un Big Bang, quoi. Il aime bien se manger les Big Bang. Gain de puissance, ça sert complètement à rien. À part de galérer à recharger son canne. Purée. Petite attaque ultime, c'est toujours beau.
Bah là, c'est bon, là. Il est mort, là. Il en peut plus, le cyborg. Qu'est-ce qu'il me fait, là? Attends, il lance toujours ses attaques au bon moment. Hein. C'est un truc de fou. La vague explosive, parce que tu m'énerves. Furie. C'est ouf, il utilise toujours ses techniques. Hein. Voilà. Un peu pourri, cyborg. J'aurais voulu, il avait la voix de Sangoku. J'ai peut-être rêvé. Je re-regarderai ça au montage. Ça serait intéressant. On va sauvegarder. Donc oui, qu'est-ce que je disais dans une autre vidéo? Je voulais dire que je pense que je m'achèterai dans pas longtemps Dragon Ball Z Budokai 3, parce que franchement, quand je l'avais essayé il y a bien longtemps là sur PS2, il m'a l'air vraiment intéressant. Et puis c'est le Budokai ultime. Donc voilà, j'ai fait le 1 et le 2, donc voilà. J'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a en plus dans ce Budokai 3. Puis il a l'air vraiment différent. Et puis on se fera peut-être, qui sait, un petit défi dans Budokai 3. Ce qui sera encore mieux, c'est ce que ce sera un défi. Et j'aurais. De base, j'aurais jamais fait quoi. Ce serait défi découverte. Parce que par exemple, Tenkaichi 3, là, je le connais par cœur. Enfin, par cœur. Presque. Le scénario, je l'ai fait en entier. Donc, voilà. Le faire en difficile, bon. C'est un peu plus hard, mais bon. Ah oui, ça, c'est quand on a Broly. C'est complètement énorme. On a Broly, on défonce tout. Car on est le Super Saiyan de légende. Super Saiyan légendaire. De fou furieux. Par contre, on est un peu lent. Mais c'est pas grave. Parce qu'on est puissant. Prends ça, Sangoku. Boum. Bon, c'est Sangoku sur Rocky déjà. Déjà épuisé. Allez, au suivant. C'est le tir au pigeon là. Ah bien. Furie. Il est trop petit, Piccolo il est trop petit là, j'arrive pas à le toucher. C'est énorme. Ah, faut que tu sois aussi grand que Sangoku là. Allez. Ça va être facile, ça va être vite fait. Attends, on a Broly quand même, c'est pas rien. Ah purée. Et je crois que notre barre d'énergie ne se requinque pas, enfin, on se requinque jamais. On regagne jamais de la vie hein, dans cette mission. C'est pour ça qu'ils nous mettent une grosse barre de vie au début. Et aussi parce que c'est Broly quoi. Il a une endurance hors du commun. Et je balançais mon attaque pour le spectacle là. Donc, arrête de me faire chier. Voilà. Bon, j'ai encore son Kai à fond. Ah non. Puis quand je fais ça. Ils aiment bien balancer des vagues d'énergie en ce moment. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont. Allez, voilà, une très belle attaque de Broly. Broly qui fait une reprise de volée. Il tire et c'est un but. Non, il y a pire, il y a Yamcha qui joue au volleyball avec Tenshinhan. Bon, j'ai perdu pas mal de vie contre un insecte quand même. Piccolo. Ah non, c'est ça. Je suis nul à ça. D'accord. J'ai l'impression que je me suis viandé à tous les coups, mais j'ai réussi quand même. Je crois que Vegeta est encore plus mieux. Ouais. D'ailleurs, Vegeta ne voulait pas complètement combattre contre Broly. Parce qu'il se disait qu'il était trop fort. Quoi. Il disait, purée, mais c'est Super Saiyan légendaire. Je suis trop impressionné là.
C'est la première fois qu'on voyait Vegeta qui avait vraiment peur. C'est assez comique. Bah, comme en fait dans le dernier OAV là, qui est un peu moisi, mais voilà. Sur le dieu là de la destruction. Surtout le dieu des. Le dieu de Gulli, hein. C'est un chien, mon gars. C'est la marque de fabrique de Gulli. Prends ça, Vegeta. Alors là, je l'enchaîne. C'est magnifique. Allez, petite attaque ultime là, Omega Blaster 2000. Voilà, c'est magnifique. En plus, il y a toujours les combos là, 12 coups. Ah non, ils y sont plus. Là, je gère. Il reste encore truc, mais je crois qu'il est super sous l'entre, hein, qu'il est hyper rapide. Il faut faire gaffe. Ah purée. Ils font beaucoup les attaques ultimes quand même là. Hein. Une grosse attaque. Bon, on va encore le faire voltiger. J'aime bien faire ça, un coup de foncer sur lui et un autre coup pour se TP. C'est la pleine puissance du grand Broly. On prend rien. Bon, allez, encore, on va encore faire ça. Il est tellement cheaté ce perso. Bah oui, mais à côté de ça, il est très très lent. Mais ça gêne pas tant que ça. Voilà. K.O. Voilà, c'était le cri de guerre que je voulais que vous appréciez. Magnifique cri de guerre de notre cher Broly. Saga spéciale d'attaque brûlante ultime. Oui, on débloque quelques sagas spéciales, mais bon, on les a presque toutes. Et voilà, vous voyez quand même, on est déjà à 57 minutes, purée. Enfin, 58 avec l'intro. Ce qui fait beaucoup. Vous voyez que la saga spéciale est vraiment longue, et il reste encore quoi? Il reste. Oh purée. Il reste quand même comme tout ça. Hein. Ça va être l'ultime épisode. Voilà, c'est ça. C'est l'ultime épisode de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Avec Son Goku qui mange des nouilles. Ah et voilà, et revoilà Broly avec sa barre d'énergie pleine. Super. Comme si les potes de Son Goku, ils ont rien fait à sa barre d'énergie. Ah et en plus, bah là, on peut pas le toucher. Ah, mais les chopes, c'est vraiment la technique préférée des ordi. Hein. Bon bah je vais rien faire. Voilà, c'est très puissant. Hop. Je fais rien, hein. faut attendre en fait. Ça, bras de fer. Mais je gagne toujours au bras de fer. On recharge le caillou maxi et on attend. Okay. Prends ça, le contre du Kamehameha. Bon, allez, au cas où, une petite sauvagerie. Ouais, bon, on peut l'avoir facile avec le Kamehameha quand même. Il nous fonce dessus. J'ai besoin de ta puissance, j'en ai besoin pour le vaincre. Il a besoin de la puissance d'autres Saiyans. Donne-moi ta puissance. Mais il parle de qui là? Alors il parle de Vegeta. C'est vrai qu'il a une grande puissance et que Son Goku peut défoncer Broly en 2 secondes. Ça, quand les Saiyans travaillent entre eux, c'est pas rien.
D'ailleurs, dans le dernier OAV, pour que Son Goku devienne en Super Saiyan God, ou Super God Saiyan, moi je préfère dire Super Saiyan God, et bien il peut. Il est devenu comme ça grâce à ses amis Saiyan, quoi. Son Goten, Trunk, Vegeta. Enfin, il fallait, je crois, 5 Saiyans qui se fusionnent entre eux, quoi, à moitié, qui fusionnent leur énergie pour que Son Goku puisse se transformer en Super Saiyan God. Oui. Ah, là, il comprend rien à sa vie. Je vais peut-être faire un Kamehameha dans les airs. Ce sera beau. Ah non, ne fais pas ça. Oui, il n'a pas réussi à faire sa pleine puissance. Ah là, il est complètement perdu, le pauvre. Ok, calme-toi, hein. Calme-toi, petit Broly. Ouais, le Kamehameha enragé va faire le boulot. Il va te calmer. En fait, Broly, c'est à moitié un malade mental qui en a marre de Son Goku. Ouais. C'est comme ça qu'il se transforme en Super Saiyan légendaire. C'est parce que Son Goku, quand il était petit, il était à peu près dans la même cellule que Broly, et pendant que Broly était juste à côté et dormait tranquillement, et bah, il y avait Son Goku qui faisait que de chouiner, et donc Broly ça l'énervait, et c'est juste comme ça que en fait Broly détestait Son Goku. Voilà, ça va pas plus haut que ça, mais à côté de ça, c'est que c'est tellement bien foutu les combats dans cet OAV qu'on oublie l'histoire. Ah, il va y avoir le retour de Broly après. Là, c'est Bojack, un des combattants intergalactiques. Ah. Il contrôle l'un des méchants. Normalement, Krillin, il se fait défoncer en 2-2 par elle. D'ailleurs, j'aime pas trop sa skin, franchement. Mais bon. Il y en a pour tous les goûts. Oh, ça. Ah, il comprend vraiment rien. Il comprend vraiment rien aux filles. Il m'a insulté. Ah, pauvre Krillin, hein. Vous savez qu'il se dit, purée, il y a un large écart de niveau entre les méchants actuels et lui, quoi. Ok, j'ai pas voulu faire ça. Ah, purée. Bah. Et on va combattre contre Sangwan, non, c'est ça? Aïe. Ok, merci. Furie, j'arrive plus à faire les téléportations comme avant. Ouais, on va changer de perso parce que on va prendre Bojack, le beau gosse qui ressemble à un pirate. C'est le gamin, chouette planète la Terre. Incroyable. Mais qui es-tu? Ah, Son Gohan va devoir se transformer en Super Saiyan 2 pour pouvoir l'avoir, ce Bojack. Avec de la même façon que contre Cell, quoi. Je l'avais vu cet OAV par contre. Il était pas mal. C'est pas non plus incroyable, mais il était pas mal.
Mais bon, les OAV, c'est jamais les points forts des mangas habituellement. Oui. C'est là qu'il va se transformer. Donc on va découvrir son véritable potentiel. Et adieu Sangwan. La fin était un peu trop rapide. Voilà, Bojack le pirate a vaincu Sangwan. Saga spéciale, je protégerai la terre, bah voilà. Ça doit être la suite de Bojack. Quand il va se faire rétamer par Sangwan. Maintenant que Sangoku n'est plus là, tu es le seul à pouvoir protéger la terre. Sangwan, je prie en toi. Allez, les pompes. Et que ça devrait avec Vegeta. L'entraînement. Ah d'accord, il a 6 barres de vie, ok, c'est tout à fait logique. Ah, attends. 1, 2, 3. Si, il a 6 barres de vie. Et moi j'en ai vu 4. C'est n'importe quoi. Je crois qu'on va pouvoir transformer bientôt en Super Saiyan 2. Non, je crois. Mais alors, non, je pense que ça va être assez long quand même. Bon, Sangwan en Super Saiyan 1 il est déjà quand même assez fort. Ah, purée. Oh, ça c'était magnifique et comment j'ai fait exploser plein de trucs. Plein de monuments. Oh, ça okay. Ah, il a rien compris l'utilisation des attaques ultimes. Kamehameha. Boum. Ah, il a récupéré de la vie, le bougre. Petite balle d'énergie. Fait un peu de volet. Et encore un super Kamehameha. C'est vraiment la technique parfaite d'utiliser une boule d'énergie juste avant faire l'attaque ultime. Bon là il est paumé, il est en train de me chercher. Ça c'est parfait. Parce que j'ai vu qu'il secouait la tête. Et il vient de me trouver. Ça va, ça se passe tranquillement. Hein. Bon allez, hey. Pour le fun. On va le tuer direct. Bon allez, c'est en bas. Et là on va le tuer. Ah bah il a même pas récupéré de la vie, bah c'est tranquille. Malédiction, comment quelqu'un comme lui a réussi à me battre? Ah, c'est toujours les mêmes phrases par contre, ça commence un peu à être répétitif. Faut pas me sous-estimer, c'est pas parce que je suis un gamin qui révise ses cours. Vraiment sauvegarder, il sauvegardait mais c'est égal au reset presque, c'est horrible. Alors Broly a été ressuscité, et d'abord, que fait-il sur Terre? Bon là par contre, je ne sais pas pourquoi il a ressuscité, je sais plus pourquoi d'ailleurs. C'est assez, comment dire, c'est un peu bébête. Des fois t'as des ennemis comme ça qui ressuscitent comme ça. Salut! Passons un bonjour sur la Terre. Ah et puis je me souviens il était encore plus taré que dans le premier OAV. Là. Il était vraiment en mode taré. Et puis bon quand il voit Sangoten, eh ben, il s'énerve aussi vu que c'est...
vu qu'il ressemble beaucoup à Sangoku, étant petit. Je me fais défoncer. Ça, il a peur du Kamehameha. Magnifique contre. Normalement, il fusionne assez rapidement. Oh, l'esquive. Bon, bah, je vais encore continuer. J'aime bien spammer. Ça marche très bien. Bon, au bout d'un moment, il s'énerve. Il me fait encore une chope. Décidément, ils aiment bien les chopes. On ne le dira jamais assez. Ok. Changement de perso. Sangoten, je vais essayer de l'attirer. Vite. Fusionnons. Non, j'ai... Ils ont même pas eu l'idée de fusionner du départ. Quand même. Ok, je dois aller aux toilettes et c'est là qu'il va faire dans sa couche. C'est tellement la classe ces toilettes. Curie. Oh là là, je me fais déglinguer. Il y a Sangohan au bout d'un moment. Au bout d'un moment pendant l'affrontement. Ce qui est bizarre, c'est que quand même Broly, il tient tête face à la fusion de Sangohan et Trunk. Ah, je trouve ça bizarre. Quand même Broly, il est quand même un peu moins fort que notre cher Bou. Bon, je sais pas. Ça va, il te faut plus de puissance. Ouais, c'est pour qu'il fasse un autre Kamehameha, pas père-fils, mais cette fois-ci, frère, un Kamehameha frère. C'est ça en fait. Avec Sangoten quoi. Enfin, il commence à être énervant, hein, le petit Broly. Il est en puissance max, mais moi je m'en fous, je me fonce dessus. Je défonce. Et voilà. Ce fut la fin d'un grand combat. Bah, il dit encore carotte, hein, même quand il meurt. Ah oui, là c'est parce qu'il est dans l'au-delà Sangoku. À ce moment-là. Ça se passe sans doute juste après Bou. Quoique. Non, je suis pas sûr en fait. Ou pendant qu'il y a Bou en même temps, quoi. Je sais pas. Parce que. À la fin de Bou, Sangoku il est en vie. Enfin, il a été ressuscité, donc voilà. Je ne sais plus. Monstre innocent. Jamemba. Jamemba, un OAV que... comment, il a l'air pas mal d'après les critiques. Il a une très bonne critique cet OAV. Parce que Jamemba est un personnage assez intéressant. Bon là, il est assez, comment dire, comique. Il ressemble à Winnie l'ourson. Mais quand il va se transformer, il aura la classe. Parce que j'ai entendu, il a beaucoup de charme. Il a la classe. Même s'il a un peu du même style que Bou, je crois qu'il fait que gueuler. Il n'arrive pas à parler. Je sais pas par contre si on peut l'attraper lui, si on considère comme si c'était un gros ou pas.
Je crois que non, je crois qu'on peut l'attraper quand même. Ah bah non, de toute façon, j'ai même pas de... même pas d'attaque au cac là. Là par contre il est tellement immense qu'il me recouvre et je transperce à moitié sa matière quoi, son corps. C'est assez énorme. Il comprend plus rien. Même pas besoin de me transformer en Super Saiyan 3. Attention. Canon rapide, c'est quoi ça? Oula. J'aime pas cette attaque. Kamehameha, téléportation! Cette feinte! Ah, il court de la même façon qu'à râler. Il a vraiment la classe. Ah, puis ça se passe sans doute dans le domaine des dieux, ouais. Enfin, là, on est dans le... là, on est dans l'enfer. On est en enfer, là. Mais il y a tous les méchants qui sont ici pour collaborer entre eux pour pouvoir s'enfuir de l'enfer. Ils ne peuvent pas. Sauf dans un épisode de Dragon Ball GT. Cette arène est encore une fois assez belle. Enfin, pour de la PS2, c'est franchement chapeau. Les arènes sont vraiment, comment dire, bah, elles sont vraiment au top, quoi, pour console 128 bits, même pour une Wii, c'est vraiment pas mal. Que, bah, à côté de ça, par contre, quand on a vu ça sur PS3 ou 360, voilà, quoi. Ils ont rien évolué. Il y a juste les personnages qui ont une meilleure skin, soi-disant, dans... ouais, ils ont une meilleure skin, mais... dans le premier Dragon Blast, le jeu était ignoble. Que le 2 ça. Mais le premier Dragon Blast, le jeu est moche. Hein. Bon, il y a Sangoku en Super Saiyan, il a les cheveux blancs. Mon dieu, c'est pas un papy. C'est d'après ce que j'ai vu, mais bon. Ça fait peur. Là. Voilà, c'est Jamba quand il s'est transformé. Ouais, je me suis fait tellement spoiler moi. Déjà en faisant le jeu. Et mais aussi on a entendu parler de cette OAV. Qui n'est peut-être pas comme les autres. Mais là je crois que c'est un perso du même style que Bou. Donc ça serait intéressant. Franchement faudrait que je le regarde, cette OAV. Déjà, attention, le point du dragon. C'est tellement beau, cette mobilisation du dragon de Sheron. Le problème, c'est que quand je suis en Super Saiyan 3, je mets 3 plombes à regagner mon énergie. Ok. Attention. Ah mince, je voulais pas faire ça. C'est pas grave. On va peut-être faire une fusion avec Vegeta. Ah bah d'accord. C'était super de faire ces en bas. Bon, au bout d'un moment, il... okay, je sais pas ce que c'était son attaque, mais je crois que ça faisait un coup horizontal. Donc j'avais qu'à monter. J'ai bien anticipé. Vous avez mis en tout, à la hauteur des espoirs. D'accord. Il me dit peut-être que qu'il est faible par rapport à Bou par exemple. Il se disait pleurer, mais il est trop puissant et en fait il est faible. Ouais. Super Genki-Dama. Ah oui, un super Genki-Dama contre une petite attaque de merde, c'est sûr. C'est Genki-Dama qui l'emporte. Ouais. Je recharge encore le caillou maxi. Bon, on va pas le tuer direct. Hein. On va jouer avec Vegeta.
qui est mort. Il a mouru. Ça c'est marrant, il utilise presque pas de Kai. Quand il fait son attaque là, sa grosse attaque, il utilise qu'une barre de Kai. Voyons. Il est fort Vegeta. Ce qui est étrange par contre, il a pas... Non, il a pas d'attaque... Il n'a même pas d'attaque ZY. Ah si. Le canon Gary, bah pour toi... Pourquoi ça n'a pas marché avant? Ah bah voilà. Canon Gary. Ah, le problème c'est que je vais le tuer là, j'ai pas envie de le tuer. De faire la fusion. Le problème c'est qu'il est trop faible. Bah je le tue quand même. Écoutez. Je pense que c'est comme ça. Il est très très faible, hein, purée. Je me souvenais, bah, où j'ai fait des progrès incroyables. Je sais pas. Un Vegeta était vraiment en run à cette époque. Dans le dernier OAV, c'est plus la même chose. C'est devenu un clown. Voilà encore les veux-tu sauvegarder, es-tu sûr, mais es-tu vraiment sûr et certain de sauvegarder? L'attaque du dragon, je crois c'est le dernier lui. Le dernier dans la saga spéciale, quand même 1h22. Ça fait pas mal. Là, c'est aussi long qu'une partie de Star Fox Adventures. J'avais pas prévu ça. Je te pardonnerai jamais. Pourquoi il a fait quoi? Je sais pas. Oh là là, zéro de dégâts, oui, c'est... Peu importe notre puissance. Okay, on fait du zéro de dégâts quand même. Voilà, on va un peu faire tomber et tout, trébucher. Pour gagner du temps, mais... Oh, c'est du spam, là. Là, c'est du spam à mort. Et j'aime ça. C'est toujours la même chose. Ah, purée. Ok. Il est un peu loin. Bon, tu viens on va aller à droite. L'attaquer un peu. Ah, magnifique modélisation de l'arbre hein, quand on est proche. Fais gaffe à pas être trop près. Ah, purée, il repousse mes petites boules. Attends, c'est quoi ça? Une attaque un peu pourrie. Je crois que je n'ai pas le choix. Car si je ne le fais pas... Pas le choix de faire quoi? Tu le feras! Ah, ok. Donc là, ça veut dire que je vais pouvoir le toucher, non? Je pense. Oh purée, mais il fait que de se téléporter. Ah, prends ça, gros pépère. Un insecte est géant. C'est un OAV encore, ça aussi. Je sais pas s'il est bien, par contre. Je l'ai pas vu. Ouais, quand même, il y a beaucoup d'OAV que j'ai loupé. Le premier OAV... qui c'est d'ailleurs celui qui m'a fait connaître Dragon Ball Z, c'est c'est comment il s'appelle déjà, c'est Garlic là, quand il combat de Garlic avec Piccolo là, sans Goku et Piccolo, c'est le tout début de Dragon Ball Z quoi, c'est encore avant ça se passe encore avant de Raditz. Et c'est comme ça que par la suite après j'ai regardé tous les Dragon Ball et puis après Dragon Ball Z. Ça. Franchement, ça cet OAV il m'avait vraiment intéressé. Il était sympa. Dans ça, spam de boules d'énergie. C'est tellement beau le spam de boules d'énergie. Attaque du dragon.
Ça, c'est une chope tellement puissante que ça marche même sur un gros, quoi. Il n'en croit pas ses yeux. Après, le Kai qui se recharge à 2 à l'heure. Mais bon, lui, il ne fonce pas dessus, hein, c'est tranquille. Il est assez pacifique. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il... C'est quoi cette attaque? J'ai pas pu la contrer. Allez, encore une fois. Allez, d'accord. Bon, allez, on va faire C en bas pour le fun. Ah d'accord, c'est pour faire le point du dragon. Non, mais ça va être rapide, quoi. Point du dragon. Une attaque que je n'ai pas vue. Enfin, si, il l'a fait, mais il l'a fait quand il est petit, quoi. Donc, c'est pas la même puissance. It's over. Et voilà, c'est peut-être fini aussi pour nous, pour cet épisode. Très très long. Et un peu ennuyeux, je dois dire. Yep. C'était un peu simple, hein, voilà. Des tas de types incroyables sont apparus. Ça me plaît d'avoir affronté différents adversaires. Ah, Sangoku, tu m'as sauvé la vie bien des fois. Je pensais qu'on était cuit à chaque fois, mais tu étais toujours là pour nous sauver la mise. D'après Bulma, j'attire que les sales types. Sans un coup, ça serait pas toi qui attire les affrontements par hasard? Tu t'étais fait entraîner dans un combat et c'est comme ça que Yamcha et moi t'avons rencontré. C'est mon avis. Puis ces sales types sont arrivés et tu les as terrassés les uns après les autres. Je te laisse t'en occuper. De quoi? Il y a eu de nombreux combats. Et partout au combat, il y avait... Sangoku. Mais oui, Sangoku était toujours là. Est-ce les combats qui attirent Sangoku ou Sangoku qui attire les combats? Le combat de nos héros continue. Beaucoup de combats. Ça fait un peu de répétition. Je suis prof de français, donc attention. Non, je rigole. Super, tu as terminé tous les combats. Tu m'épates. Nous avons mené de nombreux combats ensemble dans cette aventure. Bon sang, le combat, c'est vraiment mon truc. On a remarqué. Merci d'avoir joué jusqu'à la fin de l'aventure. Reviens jouer quand tu veux. Pour faire d'autres combats. Participe à des combats uniques. C'est énorme. La répétition à souhait. Donc voilà, hein, tout ça en difficile, tranquille. Allez, je suis un PGM, moi. Bah, je sais pas si un jour je ferai d'autres défis sur Dragon Ball Z ou du Tenkaichi 3. Mais ce serait peut-être intéressant d'en faire d'autres, hein, peut-être. Ou alors peut-être que je ferai des vidéos avec Fireflame, le grand, le puissant. J'arrive à le battre avec Mister Satan. Donc attention, ça serait une vidéo où je prendrais Monsieur Satan et que lui il prendrait Sangoku et Vegeta, là, Fusion. Gogeta Super Saiyan 4, voilà. Ça sera ça. J'ai déjà battu comme ça. Ça serait assez fun de faire une vidéo là-dessus. C'est un peu déroutant pour le pauvre Fireflame, mais c'est pas grave. Donc voilà, sur ce, je vous dis... Bah, enfin, voilà comment s'achève ce magnifique défi. Donc le prochain défi, ça sera sur Budokai 2. Budokai 1, je le ferai après. Donc sur ce, je vous dis... à la voyure pour... de nouveaux défis.